se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle parce que c'est un 24 heures au Beaux-Arts pendant les partiels. Comme vous voyez ma tête, là c'est vraiment la dernière ligne droite avant du coup la fin des partiels. Au Beaux-Arts, les partiels, on appelle ça les accrochages parce que en fait toute la période de partiel se termine par un accrochage de fin de semestre. Un accrochage, c'est quoi? C'est une présentation de vos projets à l'oral devant un jury qui est composé de certains professeurs de l'école. C'est toujours des groupes de professeurs différents chaque année, chaque semestre, etc. pour que ce soit différent pour chaque oral, ce qui permet du coup d'avoir des points de vue différents. Moi, par exemple, mon jury de ce semestre, c'est un prof de vidéo, ma professeure d'argentique de première année, mon professeur de performance et mon professeur principal. Il y a toujours votre prof principal dans le jury qui est un peu là pour orienter le truc, quoi. Mais sinon, c'est les trois autres professeurs principalement qui vous notent. Moi, il n'y a aucun de ces trois profs que j'ai en cours, donc du coup, ça donne des avis différents. Et l'accrochage de fin d'année, ça sera un jury différent. Donc, je vous filmerai peut-être ça aussi d'ailleurs. Dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, du coup, j'ai préparé des peintures pour cette semaine d'accrochage. Du coup, je vais vous prendre un petit peu là tout à l'heure à l'école parce que donc je passe demain à 8h30, l'école ferme ce soir à 20h, donc je vais aller à l'école tout à l'heure pour accrocher. Comme ça demain quand j'arrive, j'ai juste à passer mon oral. En plus, j'ai vraiment une salle qui est nulle de chez nulle. Je passe dans la cave, je passe dans une des caves de l'école. En plus, moi l'oral c'est pas trop mon truc, donc du coup voilà quoi, c'est un peu le stress. Là je vais manger et après direction l'école. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance, à tout à l'heure. Je viens de recevoir un mail de mes profs pour dire que mon oral est décalé de une demi-heure. Du coup, je passerai normalement à 9h au lieu de 8h30. Donc là, ce que j'ai fait après manger, c'est que je me suis posée et j'ai écrit toutes mes idées. Vu que moi, l'oral, c'est pas trop mon truc, si je dois vous donner un conseil, si vous avez peur des oraux, etc., ça marche trop bien, c'est d'écrire à l'avance tout ce que vous devez dire. Et comme ça, je prends un peu d'avance sur mon stress. Et quand j'arrive en avance dans ma salle, je relis un peu mon texte, etc., etc. Donc là, j'avais commencé à l'écrire hier, je vous montrais. J'avais vraiment tout écrit, ce que je voulais dire, etc. Donc c'est grave pratique et c'est grave rassurant. Pas tarder à me mettre en route pour l'école pour commencer à préparer mon accrochage. Il faut que je prenne mes outils aussi, il faut pas que j'oublie marteau, clous, perceuse et tout. Et on est parti, je vous emmènerai après avec moi à l'école. A tout à l'heure.
comme ça, même avec les trucs abîmés. Je vous montre un peu comment j'ai fait. Du coup, là, j'ai tout rangé là-bas et je me suis mise ici comme ça. Donc là, j'ai mis un des projets qui est en cours, là. Là, j'ai mis mes projets de peinture sur les bleus de travail. Et là, j'ai mis ma table de recherche. J'ai pris des photos, je vous les montrerai. Donc là, je rentre et demain, je reviens. Aujourd'hui, j'ai une grosse matinée. Je me suis fait un petit déj de compète. Donc là, j'ai mis un pamplemousse et une orange sanguine, deux œufs, matcha tartine. Je suis pas encore maquillée, ça se voit ma tête. Je suis KO. J'ai pas réussi à beaucoup dormir cette nuit parce que j'étais stressée pour l'oral. Donc là, je vais petit déj et ensuite, je vais quand même mettre un peu de rouge à lèvres et tout parce que franchement, vu que je vais faire une sieste en rentrant de mon oral, j'ai la flemme de maquiller. Je mets juste un peu de rouge à lèvres pour être présentable, quoi. Donc là, petit déj et après, c'est parti pour l'école. Il est 8h20, je viens d'arriver. Comme vous voyez, je me suis pas maquillée, j'ai juste mis du rouge à lèvres. Je suis KO. Là, j'ai mon oral dans 40 minutes. Il faut que je fasse ma table de recherche parce que je l'ai pas terminée hier. Parce que j'étais récupérée les clés. Mais comme j'étais pas sûre de récupérer les clés, j'ai remballé tout ma table de recherche pour être sûre qu'on pique pas mes éditions et tout. Parce qu'il y a beaucoup de vols dans les écoles d'art, faut le savoir. Donc là, je vais tout remettre ma table de recherche et après, je vais relire mon texte. Et du coup, là, faut que je me bouge parce que j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Et donc, voilà. C'est terminé, ça s'est très bien passé, je suis trop contente, je suis soulagée. Recherche de milieu de semestre, ça dure 20 minutes et là ça a duré 30 minutes parce qu'ils étaient super intéressés parce que je disais, ils m'ont donné plein de références, ils ont rebondi, ils sont partis en me disant franchement super intéressant et tout. Donc je suis super contente parce que du coup là c'est vraiment le début de mes recherches. Après la fin de l'année j'ai présenté beaucoup beaucoup de choses, là c'est vraiment un début de recherche donc on nous demande beaucoup ça en école d'art, c'est vraiment de conscientiser tout ce qu'on fait. Donc je suis contente parce que mission accomplie, j'ai réussi à bien exprimer ce que je voulais, ce que j'allais mettre en place, les évolutions de mon travail etc. Donc je suis très contente. Donc là j'étais crevée tout machin, là je suis super excitée du coup parce que je suis super contente. Donc là je vais vous mettre sur le trépied parce que je dois tout décrocher du coup pour les personnes après qui ont besoin de la salle. Voilà, je suis trop contente.